Bonjour, je suis Éric Nadeau, sculpteur assembleur et animateur d'ateliers artistiques. Depuis 2012 environ que j'ai réussi à arriver avec ça à temps plein. Et puis, c'est en diversifiant, si on veut, les œuvres, les techniques et les œuvres artistiques que j'arrive financièrement dans ça. Bien, sculpteur assembleur, déjà dans le mot assemblage, on ajoute. Donc c'est un peu en opposition à la sculpture traditionnelle où on enlève. Donc j'assemble. C'est toujours en lien avec des machines ou des objets qui existent déjà. Donc, il y a eu une partie de la démarche où ça, c'était davantage l'assemblage d'objets hétéroclites, d'objets récupérés, démontés dans différents endroits. Et sculpteur assembleur, c'est aussi ce que j'appelle la sculpture, le démontage-assemblage, où c'est les objets eux-mêmes. Alors, moi, je fais une différence entre l'assemblage de plein d'objets différents versus le démontage et l'assemblage d'un seul objet ou une seule machine. Mais ce qui m'animait, moi, c'était à quel point on est dans si on veut, un monde où il y a énormément de surplus, beaucoup d'accumulation, beaucoup de gaspillage. Alors, je me disais, qu'est-ce que moi, je peux faire pour traiter de ça? Une œuvre qui est à la fois critique et constructive. Alors, je me dis, j'ai pas le choix de rester dans une approche de récupération. Parce que, par exemple, aller acheter des matériaux neufs, pour moi, c'était, OK, oui, c'est beau, mais c'est contribuer un peu aussi à générer après ça des résidus, des retailles, des surplus. Donc, je me suis dit, OK, la démarche va être fondée sur le recyclage, sur la récupération. Quand j'ai déménagé à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y avait une usine abandonnée là-bas qui s'appelle l'usine Seigneur. Immense usine, très connue au Québec. C'était une industrie majeure pour la ville et la région. Environ 5 000 employés. Bref, c'était vers les années, comment dire, ça a été pendant une centaine d'années une production par million de machines à coudre. Et c'est ce qui m'a convaincu de m'installer à Saint-Jean-sur-Richelieu, à côté de l'usine. Et de là, je me suis mis à démonter ce qui restait dans les plafonds pour interpréter la mémoire du lieu, si on veut, l'usine comme telle. Ce que je faisais quand j'étais à Montréal aussi. Et là, c'est là qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant dans la démarche. C'est que je me suis dit, OK, là, j'ai interprété le lieu. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à interpréter ce qui se fabriquait dans ce lieu-là, c'est-à-dire les machines à coudre. Prochaines années, j'ai des séries j'en ai, je dirais, pour les prochaines années, assurément. Ce que j'appelle la production de mannequins à partir de justement d'objets recyclés. Continuité de vouloir interpréter les différentes usines, les différents domaines industriels. Donc, là, présentement, il y a l'industrie du textile. Il y a aussi ce qui s'en vient, l'industrie minière. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais révélé. Et puis, à Thetford Mines, il y aurait peut-être une possibilité intéressante avec une mine qui consisterait à justement interpréter le travail qu'il y avait autrefois là, à partir de machines qui ont été laissées à l'abandon dans la mine. Alors, est-ce que ça s'en va vers le démontage assemblage, comme je parle, de démonter et assembler, ou plus une approche de sculpture assemblage, peut-être un immense personnage mécanique qui a des allures d'ouvrier ou en position de mineur. C'est monumental, et puis j'aimerais beaucoup ça. Ça s'enligne vers ça avec comme j'ai dit, le domaine minier. Alors, le monumental, la production d'œuvres en série, c'est ce qui s'en vient dans les prochaines années. Fait que j'ai une bonne idée.